Sans Transition Télévision, comme tous les vendredis, Jean-Pierre Coff est allé faire son fameux marché. Aujourd'hui, il était à Auxerre avec notre ami Giroud. Regardez. Allez, on y va, la banlieue, la fraîche, la vélo, allez-y, là. Bon alors Guy, vous connaissez le principe, 200 francs, 4 pas pour 4 personnes, voilà. Oh, vous savez, nous à Auxerre, on n'a pas le sou. Ah non mais Guy, là, mais c'est Canal Plus qui donne les 200 francs tout de même. Ah bon, d'accord. Un café? Oh, moi je prends rien. Quand je paye un café, ça m'énerve toute la journée. Bon alors Guy, qu'est-ce qu'on fait? On y va ou on n'y va pas, enfin quoi? Oh, vous savez, nous à Auxerre, on n'est pas pressés, hein. Et puis surtout, à la fin du marché, c'est mieux. Ça permet de débarrasser les commerçants. Comme ça, on gâche pas. Dites, si vous pouviez mettre un talon de jambon, là, le petit. Voilà, je vous remercie bien. Ah bah, pendant que j'y pense, vous pourriez pas mettre de côté les os, là. Et de la couenne, hein, parce que j'ai des joueurs. Et puis de la rate, ils aiment bien ça, la rate. Ils ont l'air bien vos œufs ébréchés, là. Je vais vous en prendre un. Dites, qu'est-ce que vous en faites de la palette de yaourt, là? Ils sont périmés, monsieur Roux. Bah, je vais vous en débarrasser. Vous savez, j'ai des joueurs. Hein. Ils aiment bien ça, les yaourts. Et puis, c'est surtout pour pas gâcher. Dites, je peux vous prendre vos croûtes de fromage? C'est pas pour manger, c'est pour donner à mes joueurs. Bon, Guy, c'est pas que je m'ennuie, vous êtes bien gentil, mais faut y aller tout de même, enfin quoi, alors il est 6 heures, on a dépensé 10 francs, seulement 10 francs, alors. Dites, c'est à vous la pièce de 10 francs? Non. Bon, ben je vais me la mettre de côté, parce que j'ai des joueurs. Dites, votre écriteau, là, je peux vous le prendre? C'est pour marquer le prix de mes joueurs quand je les vends. Je dis ça, c'est pour pas gâcher, hein.